Salut, salut. Comment allez-vous là? Ouf, ça fait du bien. Ouais. Je vois quand l'eau tombe dans mes yeux là. Est-ce que mes personnes sont là? Bon. La mer, je te vois en ligne là. Bon. Merci pour les... Bon, Rose Bambo, comment allez-vous? Hello! Oh, bonsoir la maman, je vous ai laissé un message sur WhatsApp. Je vais répondre au message WhatsApp. Là, je prends un peu de bon temps. Ouais. Merci beaucoup. Ouf! Aïcha Sissé-Fanny, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouais, on va prendre du bon temps. Saint-Tiche, Lydis, les tout. Ah oui, ça fait du bien. Aïe, mais Alain, le WhatsApp là. Oui, on profite. Merci beaucoup. Ouais. Chérie, bien fait bien. Angela Koufo, maman, le goût de ça. Là là. Ah, tu te fais bien. Oh, Aïcha, je me fais bien. Je me fais bien, mais je profite. Maman, c'est ça, oh. C'est la vérité qui est là. C'est pas comme j'appelle ça, là. C'est pas luxe. C'est qualité de vie. Oh, merci. C'est qualité de vie. C'est la partie du film où on parle de Canada, là. C'est ça qui est là. Tu profites du bon temps. Voilà. C'est le pays où quelqu'un même qui travaille à l'usine, là, il peut s'offrir spa et piscine à la maison. Le goût de ça, ça fait du bien. On profite. Ouais. Oh, comment allez-vous? Ça va bien. Ouais, je sais que j'ai beaucoup de messages, je vais vous répondre. Oh, ça fait du bien. Eh, la mer, faut venir. L'eau est bonne, l'eau n'est pas chaude. Voilà. Comme disent les Québécois, Caroline, l'eau est très bonne. Ah, l'eau est bonne. Elle n'est pas trop chaude. Il ne fait pas trop chaud. C'est cette période-là que j'aime pour nager. Merci beaucoup. Profitons. Tiens, tu ne veux pas saluer mes impactés un peu? Hein? Un petit coucou pour mes impactés. Ce sont mes personnes. Voilà. Bon, demain, j'ai pas piscine à Toronto. Oh, ma chère. Toronto, là-bas, là, les maisons coûtent trop cher. Donc, souvent, mes maisons, hein, je piscine là. Ouais. Hein? Ouais, sinon, surveille monsieur, là, il est en train de lutter, là. Je t'ai dit, hein, c'est ça. Il n'y a pas de l'eau sur l'île, dans son village, là. Il n'y a pas l'eau, là-bas. C'est ça. Merci beaucoup. Audrey, comment tu vas, ma personne? Merci. Maman, je vis la vie. J'ai dit, c'est ici. Je vais vivre d'abord. Maintenant, arriver là-bas, là, je vais rendre compte là-bas, chez Dieu. Pour le moment, là, on profite. Voilà. Merci beaucoup, Fleck. Merci, on profite de la vie. Vite à vous. Merci Aïcha Sissé. Je souhaite que le bien à tout le monde. Ma soeur, Pélagie, comment tu vas? Ok. Ouais. Vivons la vie. Vivons la vie vivant. Si tu n'as pas, c'est correct. Est-ce que c'est tonton? Il ne vous calcule pas. Il dit, c'est toi qui es la star. Moi, je ne suis pas star. C'est ce qu'il dit toujours. Il dit, c'est toi qui es impacté. Moi, je ne suis pas impacteuse ou bien impacteur. Oui.
Bon, ma Bakayoko, on doit organiser, comment qu'elle appelle ça, pool party, c'est-à-dire piscine, barbecue, tout ça, on doit organiser ça. Voilà. À qui s'y arrive? Donc, il faut qu'on passe du bon temps dans la piscine, là. Oh, merci, maman. Pourquoi avec Boué? Parce que je ne sais pas nager. Et c'est ça, la question qu'on pose. C'est pas nager. Comment il avait Soukala Mahamadou. Ouais, la vie est unique, profitez. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est mérité. On travaille fort, c'est ça. Et... Maman, faut installer chez toi. On a fait des économies. Audrey, c'est pas tout d'un coup là. C'est des économies. Un peu. Voilà. Il y a des gens aussi, quand ils s'en vont acheter, comme j'ai dit, ils achètent en même temps avec la piscine. Mais nous, dans le temps, c'était pas une priorité. Ouais, on avait d'autres priorités quand on achetait la maison. Mais là, maintenant, finalement, la piscine est là. Et puis, bon, on va profiter de ça en été. Et puis, bon, nageons ensemble. C'est pour ça que je vous invite là. Je suis en train de vous inviter à nager comme ça. Pas aller là, j'ai vu que la toile est chaude. Donc, j'ai dit, bon, comme la toile est chaude, il faut que je me donne du bon temps avec mes impactés. J'ai dit, tonton a tenté, les deux ne savent pas nager. Viviane Oyere, tonton a tenté, on ne sait pas nager. C'est les enfants qui savent nager. Il est quelle heure? Il est 18h, je crois. Il est 18h. Oui, c'est privé. Ouais. Tu viens pas nager. Maman. Oh, bisous à vous. Bisous. Viens ici là. Viens là. Fais bien faire coucou et c'est parti. Le voilà avec le crâne lisse là-bas. Voilà. Voilà. Le ballon. Tiens. Bon. Sachez que, comme j'ai dit, ouais, on va faire le pool party. C'est ça. Quand Domi va arriver, on va faire ça. Hé, Coco. Je sens beaucoup à une de mes amies avec qui... Attends. Ça, c'est un commentaire qui m'intéresse. Aïe. Afoué. Ton amie, là, elle s'appelle comment? Parce que moi, j'avais une amie à Saint-François aussi qui s'appelait Afoué. Maman, j'ai dit que Facebook, là... Voici ce qu'on devait faire de Facebook. Ouais, le nom là me dit quelque chose. J'ai dit que j'étais commis voyageuse. J'ai fait Saint-François, Afoué, le Ayao là. C'est ton ami, oh, le goût de ça, maman. Bon. Viens, notre tonton. Papa va me tuer. Aïe, papa qui est là. C'est ça qui est là. Oh. C'est les villageois qui ont percé. C'est les villageois que. C'est-à-dire nous qui étions des villageois au pays là. J'ai dit Canada, c'est pour ceux qui n'ont pas quelque chose là-bas. Parce que quand nous on vient ici là, ça là, nous on voit ça où? Petit personnel de banque. Où je vais avoir piscine à Abidjan? Petit personnel de banque. Mon mari était kiné. Où on va avoir piscine? Si c'est pas Canada qui peut nous offrir ça. C'est pas les pays occidentaux. Encore c'est dit la vérité. L'un des banques ne peut pas payer piscine à Abidjan, à moins que tu voles dedans ou bien tu as des sponsors. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que nous autres, on respecte le Canada. On respecte les pays qui nous accueillent. Voilà, c'est la vérité qui est là. Ok, il est 22h chez vous. Bon. Le poisson est tombé. C'est correct. Merci beaucoup. Aïe! C'est la vérité, j'ai dit. Ok. Fera du bien la température aujourd'hui. Oui, la température vraiment là. Ouais, Tina, comment tu vas depuis là-bas où tu es? Voilà, donc ça veut dire que
C'est elle qui est là. Le Z là, c'est mon nom de famille. Monica là, c'est ça. Voilà. Afoué Léa Yao. Voici Facebook, WhatsApp qui est là. Je te donne le WhatsApp. C'est moi, oh ma chère. C'est moi. Comme j'ai beaucoup perdu du poids, donc les gens ne me reconnaissent pas souvent. Mais sinon, c'est moi. 9 570 83 97. Bon. Afoué, c'est le WhatsApp qui est là. C'est ta copine qui est là. Aïe, Darlene Koba. Canada est mieux, maman. Canada est mieux. Il n'aurait pas dit ailleurs n'est pas mieux. Moi, je parle de Canada. Ah, moi, c'est Canada qui m'a donné pour moi. Donc, je parle de Canada. C'est que si la Côte d'Ivoire m'a vu naître, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout là-bas. Mais la consécration, là, c'est Canada qui m'a donné ça. Comment je fais pour perdre du poids? Betty, ça là, on ne peut pas dire ça ici. Tu m'envoies un message, je te dis comment j'ai fait pour perdre le poids. Ouais. Ouais. Je profite. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. La madre, j'ai sommeil. Allez-y dormir, ma chère. C'est juste un petit reconnaissance. C'est une reconnaissance à Dieu. Voilà, où tu es là. Si Dieu t'a donné pour toi, tu dis merci. Voilà. On est ici, là, c'est pas notre pays, mais ils nous ont fait une place. Aïe, c'est ça que la vérité. Ah, ouais. Ils nous ont fait une place. Merci beaucoup. Et c'est ce que j'ai eu ici, là. Les gens m'ont dit quoi ici? Et ça les énerve, mais je m'en fous. On s'en fout. Dans tous les pays du monde, il y a une petite place pour étrangers. Ça, c'est clair. Maintenant, si étranger veut venir prendre place là, c'est que c'est les politiques là-bas. Voilà. Donc, on ne va pas vouloir étranger. Je rêvais toujours de vivre aux États-Unis. Et depuis que je suis au Canada, je préfère le Canada. OK. Oui, moi aussi, à l'époque, quand j'étais jeune, mais un peu plus jeune là, on visait les États-Unis au début. Au début là, on a visé les États-Unis. Mais après, on a fait Canada. Et puis bon, on est venu au Canada. Les États-Unis aujourd'hui, c'est bon. Les États-Unis, c'est les États-Unis. C'est la puissance mondiale. Mais quoi qu'on dise là. C'est la même chose aux États-Unis aussi. Si tu veux être très, très à l'aise, il faut que tu te loignes des grandes villes. Voilà. Moi, je suis dans quelle ville? Moi, je suis à Blainville. Lolo, comment tu vas? Je suis à Blainville, c'est là que j'habite. Ah, Nancy Aïcha, les jaloux là, moi, je n'ai pas de solution pour eux. Hein? Moi, j'ai dit que je n'ai pas de solution pour les jaloux. Donc, bon, ça là, moi, je ne fais rien à ça. Il n'y a pas de solution pour les jaloux. Toujours. Ah, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. C'est très important. Bon. On dit, je vais vivre caché. On va m'enterrer encore. Je vais être caché là-bas, moi seul. Sur la terre encore, je vais être caché. Non, 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 non. Je ne peux pas être caché sur la terre. Je vis. Le jour pour moi est fini là. Parti. Fini. Moi seul là-bas. Coco, toi, on t'a invité. Tu n'es pas venu. Hein? C'est ça qui est là. Le roi, je suis là. Chérie, Coco, viens là. La plus belle. Tu me vois, non? Traoré Gakis, qualité de vie, c'est ça qui est là, c'est pas richesse. Voilà. Ah, tu es okay, à Québec. Ok, super. Qualité de vie. Non, c'est une épate. Oui, Coco est là, elle te salue. Ange Lucie, bonjour, comment tu vas, ma chère? Tu m'encourages de plus en plus à. Ok, tu vas attendre toujours les trucs. Merci beaucoup. Voilà, c'est qualité de vie. Sinon, ça là. Les gens qui travaillent à l'usine, les manufacturiers, tu piscines, tout ça, tu peux avoir chez toi. Donc, on ne parle pas de luxe, ça. Ah, il précise ma douceur, dit le médicament des jaloux. On dit à Bignan là-bas, là, on dit la micheuse, dans les bureaux, là. La femme dit la micheuse a fait une vidéo encore. C'est pas mon problème. Voilà. Maman, le goût de ça. J'ai dit que l'eau est bonne aujourd'hui.
L'eau est bonne. Ah. Merci beaucoup, Manessa. Manessi, c'est là. Merci. Mariam Ouattara, salut à toi. Ouais. Inch'Allah. Territoire, tu crois que mes impactés ne te voient pas? Ils voient ta tête qui brille là-bas. Donc, même si tu veux, il faut dire que tu ne leur parles pas, mais ils te voient. C'est tout. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est causerie. Pour ceux qui s'ennuient, on est là en cause. Vous parlez de quelque chose, je parle aussi. C'est tout. Demain, on va faire le direct. Oh, merci beaucoup. Fanta Traoré, merci. Mais Dieu nous a créés pour ça. Faut dire, tout ce qu'il a mis là, on ne va pas profiter de ça. Il a mis les belles voitures, les belles maisons, ça dit tout le confort là. On ne va pas profiter de ça. Non, il faut profiter. Maintenant, le jour bon, c'est ton jour. Tu t'en vas, toi, si tu t'en vas dans l'obscurité, dans la solitude. Moi, je ne peux pas être sur la terre et puis être dans la solitude. Donc, je veux vivre caché là. Ça, ce n'est pas pour moi. Ils ont créé cette phrase-là. Je voudrais savoir si vous avez créé un forum pour l'éducation des enfants. J'aimerais participer. Je n'ai pas créé, mais ça, c'est des projets, en fait. C'est des projets. Mais le problème, c'est que l'éducation des enfants d'un continent à un autre, ça varie. Hein? C'est ça. L'éducation qu'on donne à nos enfants ici, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait le côté africain. Mais la réalité va te rattraper à un moment donné aussi. Tu peux vouloir faire pour africain du là. Mais la réalité est là. Voilà, c'est ça. Impacteur. Eh, hey, merci. On dit on va l'appeler tonton impacteur. Ouais, c'est où? Merci beaucoup. Ouais. Ah, j'ai dit, si ce courage là, comment il a dit ça? Qui a parlé? Last chose. J'ai dit que je vais vous faire un jour, je vais vous faire un direct comme ça. Où je vais vous parler de mon expérience ici au Canada. Mon expérience, même préposée qu'elle a là. Quand je suis venue, tout ça, je ne comprenais rien. Je suis partie faire préposée, je me suis cassé la gueule là-bas. La femme là, notre professeur là, on pensait que quand dans préposé là, il y a une partie qui est écrite. Et puis il y a une partie, on appelle ça théorie et pratique. Voilà. La théorie là, vous écrivez en classe. Et puis maintenant, la pratique, maintenant vous faites les stages. On arrive dans stage, le français d'ici là, je ne comprends pas. On dit ridelle. Il faut baisser la ridelle. Je suis là, je ne comprends pas. Il dit, dans pratique là, elle nous évalue. Je suis allé, il y a tout mélangé. Elle dit, bon, le même soir là, on partait, on connaît des Pâques. La femme blanche a dit, bon, je vais analyser ton cas pour voir si je peux t'accorder, mais tu as échoué. Imagine-toi, tu arrives dans un pays, première formation tu fais, et puis les formations là, c'est lié au prêt et bourse. Si tu as échoué là, ils vont couper l'argent, tu vis comment? Dans ça là, je suis rentrée à la maison, tout abattu. J'ai dit à mon mari, oh, je suis foutue. Vous me voyez comme ça là, quand ça me prend là, c'est les larmes seulement. J'ai dit, papa, je suis foutue, préposé, j'ai fait tous mes amis là, mes amis ont réussi, moi j'ai échoué. Il dit, c'est pas grave. C'est ça. Quand tu as. Ça peut être valable pour l'homme ou la femme. Il faut qu'entre vous, là, il y ait l'autre qui galvanise l'autre. Il dit que chérie, c'est pas grave. Elle a dit qu'elle va t'envoyer un résultat, non? Qu'elle va t'envoyer le résultat. Donc, il faut attendre. J'ai dit, ok. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a fait languir. Congé de Pâques, là, je n'ai même pas vu dedans. J'attends seulement mon résultat. Je suis là, je regarde le téléphone. Un matin, elle m'appelle. Oh, Monique, j'ai analysé tout et tout. J'ai vu que c'est parce que tu étais stressé, que tu es passé à côté, mais c'est pas grave, on t'accorde ça. C'est comme ça, on m'a accordé. Et puis, j'ai pu réussir vers la fin préposée. Mais quand je suis arrivée dans la pratique, j'étais la meilleure de mon groupe. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas parce que ça a échoué ici, là, que devant, forcément, ça a échoué. Ça peut échouer derrière, et puis devant va être meilleur. Voilà, c'est ça. Moi, c'est comment moi je vois la vie. Si tu as essayé là, ça n'a pas marché là. Force devant. Merci. Ah, pour aller là-bas là. Ça là. C'est où? Paris. Dieu me gourmet dans votre cœur. Eh là là, c'est pas facile. Ah, vocabulaire canadien, Audrey. Et puis, eux, ils se disent que c'est pour eux là qui est meilleur. Parce que c'est toi qui es venu dans le pays. Donc, c'est à toi de t'ajuster. Mon cher, français parle là, je ne comprenais pas. Même je suis arrivée ici, on dit Djelo. Djelo d'après une de mes soeurs gourou là. Elle dit, la dame lui dit, mais on te dit, tu donnes du Djelo aux patients, tu donnes du Djelo. Et puis elle regarde la prof comme ça. La prof dit, mais vous ne connaissez pas le Djelo.
Quand on s'est croisé à côté, elle me dit, mais elle me demande si je connais Djelo. Et c'est chez moi à Zenou, là, il y a Djelo. Moi, c'est ici, j'ai entendu le mot Djelo. J'ai dit, ah, comment on va faire? C'est à nous d'aller chercher ce qui veut dire Djelo. Djelo, là, c'est comme une collation qu'on donne aux patients. Tout ça, là, il faut que tu t'ajustes avec ça. Voilà. On est arrivé. Le temps que tu as à voir, tu as le temps d'aller faire la formation. Je suis partie faire ménage. J'ai une femme médecin, une chinoise. J'ai dit, il faut me voir ménage. Moi qui quittais au pays, j'ai dit, je viens pour travailler à la banque au Canada. Mais voilà, d'en faire des ménages. Préposé là, c'est nous qui chose, comment on appelle ça, on s'occupe des patients. Tu ne donnes pas de médicaments. Oui, Coco, tu ne donnes pas de médicaments, mais tu t'occupes des patients. On lave les patients, on change leurs couches, tout et tout. C'est ça qui est préposé. Voilà. C'est quoi au pays, on dit être soignante là. Ici, on appelle ça préposé aux bénéficiaires. Je suis partie. Je suis arrivée là bien. Voici Coco qui est en ligne. Quand tu arrives, on dit, oh, elle est partie au Canada. J'arrive ici, je fais une entrevue ici, je fais ici, je dis, mais c'est quelle affaire de parler anglais? On dit, on est au Québec, on parle français ici. Partout, il y a une affaire d'anglais. Je suis allée sur Internet, je cherche ménage. Et puis, je suis partie, je faisais le ménage le temps que je suis allée à l'école. On me payait bien. Voilà, je travaillais chez une femme médecin. Je fais mon ménage là-bas. J'ai fait ménage, j'ai fait entretien ménager à l'hôpital. J'ai fait préposé, puis je suis des éducatrices. Voilà, c'est ça qu'elle a. Donc, j'ai parcours ici au Canada. Fille de salle. Merci beaucoup, Kadi Silué. Voilà, c'est ça, fille de salle. Préposé, c'est ce que ça veut dire. Souvent, ils te parlent de leurs choses. Ils pensent que toi, tu es censé connaître, mais tu ne connais pas. Souvi, la petite sœur de Narcisse est là. Je dis, comment tu vas, ma chère? Auxiliaire de vie. Mais auxiliaire de vie, là, vous faites ça à domicile, là-bas, non? Ou bien vous faites ça à l'hôpital même? Rose Daddy. Voilà, c'est ça. Et quand ils te parlent de leurs choses ici, c'est comme si toi, tu connais. Mais tu as fait comment? Tu es venu dans le pays des gens. Donc, c'est à toi de t'ajuster. Même le langage, même quand ils parlent souvent là, tu ne comprends pas. Mais. Ah! Oui! Ah, ma soeur, je ne peux pas mentir. Angela Koufor. Moi-même, leur français là me fatigue. J'avais du mal à m'ajuster à l'école. Oui. C'est ça. Voilà. Préposé, même on dit son nom comme ça là. C'est pas facile, hein? Préposé, quand vous partez au stage là, le stress qui est derrière préposé. Toi-même, tu as dit, afin de venir laver caca, changer les couches, donner à manger là. C'est ça qui est compliqué comme ça. Mais eux, ils font tous leurs trucs bien organisés. Être soignante. Ah, ok, domicile comme à l'hôpital. C'est pareil ici. Je suis. Ok, tiens, soyons. Comment faire pour venir là-bas? À l'hôpital. Ah. Oui, Félicia, c'est vous gagnant, c'est pas? Vous témoignez, merci. Oui, aïe. On va pas mentir que quand on est venu ici, là, tout était rose de. Ah. Tout n'était pas rose, hein. Je suis. Le seul truc que j'ai essayé et puis je n'ai pas été capable, c'est travailler dans les manufactures. Dans les, comment on appelle ça? Usine. Dans les usines. Voilà, ça, je n'ai pas été capable. Je ne peux pas vous mentir. D'abord, quand j'étais au pays, là, on a eu les visas ensemble, tout. Mon mari est venu. Tu sais, quand on est au pays, là, on rêve beaucoup, là. Le monsieur souffre ici pour m'envoyer l'un de billets pour que je le suive après, hein, la petite. Je suis là, j'ai dit, papa, faut m'envoyer l'argent. J'ai fait anniversaire à mes camarades. Il dit, quoi? Moi, quand t'envoies l'argent, tu as fait anniversaire à Abidjan. Faut attendre. Quand tu es arrivé ici, là, et puis tu as cherché pour toi, le jour où tu retournes à Abidjan, tu as fait anniversaire. Il a dit, oh, tu es trop avare, c'est rentré, c'est sorti ici. Moi-même, je suis venue. Quand je suis venue maintenant, j'ai dit, quand j'ai vu la sueur de l'argent comme ça, je suis partie travailler dans la manufacture. Lui, il travaillait là-bas le jour. Et puis moi, il m'a aidé. Je suis rentrée là. Entrepôt, maman, qui a parlé là, mais James, les pâtés à fuir. Mal aux pieds. Je m'en vais là-bas, j'arrive. Mon mari travaillait de jour et puis moi je travaillais de jour et puis lui travaillait de soir. Donc lui et moi-même on se dépassait souvent au travail là-bas. Mais quand j'ai fait pendant un mois, j'ai dit mon pied. Chérie, je peux la nuit là, les crampes. Il dit c'est l'argent de ça là, tu voulais qu'il t'envoie à Abidjan pour faire anniversaire. Donc faut attendre. Si tu as fini de travailler, là tu vas à Abidjan, tu vas faire des anniversaires là-bas. J'ai fait un mois, j'ai fui. Carole Kofi. Merci.
J'ai fait moi et puis j'ai fui. Je ne suis plus partie là-bas. J'ai dit, oh, ils n'ont qu'à faire moi m'appeler pour aller à l'école. Ils n'ont qu'à faire moi m'appeler pour... Donc, quand je vois des Africains qui font des années dans la manufacture, j'ai dit, comment vous faites? Ah, bon, vous riez. C'est ça. Aïe, vous le voyez comme ça, là, lui, son jeton, là, il dit, c'est ça. Ouais, moi, je suis mamie dépensière. Donc, quand maintenant, il m'a vu, il dit, ah, d'accord, faut attendre. Laissez appel de ses pas nager. On est là pour causer. Vous cherchez nager. Ah. Tous ceux qui ont piscine au Canada, ils ne savent pas nager. Les Africains qui ont piscine, ne savent pas nager. C'est plaisir, on s'est fait. Laissez appel de nager, là. Aïe, les fraises. C'est lui qui a fait les récoltes de fraises. Moi, je ne suis pas partie dans les fraises. À cause de ça, aujourd'hui, il ne veut pas manger les fraises. Il travaillait du lundi au vendredi. Et puis samedi, dimanche, lui et son tuteur avec leur groupe là, il partait cueillir les fraises. Il dit, j'ai dit chérie, moi je vais aller là-bas pour cueillir les fraises. Il dit, fraises là, si tu arrives là-bas, c'est que tu n'as plus rien fait à la maison. C'est pour dire, oh je suis fatigué, oh j'ai mal aux pieds. Donc, il faut laisser à faire des fraises là. Moi je vais aller chercher, même si j'ai eu 100 dollars, j'ai donné 50, j'ai pris 50. Mais il ne faut pas aller dans fraises là. C'est ça. Donc vous le voyez là, c'est un fraisier. Il est allé dans les fraises. Oui, le mec là, il avait les fraises. Moi, je ne suis pas allé au champ. Depuis que je suis venu au Canada, je ne suis jamais allé dans les champs. Ma grande soeur, notre différence est finie maintenant. Grande soeur. Aïe, maman, la piscine de ça. Il est quelle au Canada? Il doit être 18h. Quelle est laquelle? On ne peut pas aller sur la montre ici. Le direct est en marche. Oh. Les gens sont là-bas. Il faut m'envoyer téléphone. Il faut m'envoyer Tommy Hilfiger. Tommy, là, ça coûte cher ici. Toutes les choses de marque coûtent cher. Quand nous autres, on paye là. Moi, je ne parle pas de ceux qu'on a. Nous autres, là, on attend quand c'est un spécial et puis on s'en paye. Voilà. Moi, je ne peux pas prendre mon air, oui, aussi, là, pour payer un sac à main de 600 dollars, de 1000 dollars. Je ne peux pas. J'attends. Dans mon coin ici, là, il y a un entrepôt. Merci beaucoup. 18h23. Dans mon coin ici, là, Mirabel, il y a un grand entrepôt. Il y a les choses de Mac. Donc, tout est Mac. Même téléphone coûte cher. Les gens croient que c'est facile. C'est pas facile. Hein? Tous, en tout cas, nous, au Canada, en tout cas, nous, on n'enlève pas les gens comme ça pour payer. Nous, on cherche les soldes. Voilà. Hein? C'est pas facile d'être. Merci beaucoup. Venus, Marshall, comme on appelle ça, Michael Kors, tout ça. Voilà. Et non, allez, en libre, tu vois. Ah, il faut du courage, de la persévérance. Ah. Moi, quand je vois d'autres filles qui se vantent, disant, j'ai payé mon sac à 10 000 euros. Vous voyez bien, maman, si il y a 10 000 euros là, j'ai préparé la retraite. Je ne peux pas mettre, ça dit même 1000 dollars, je ne peux pas mettre ça. Je ne peux pas mettre 1000 dollars dans un sac à main. Je suis folle. Merci beaucoup. Non. Mais bon. Ah, en tout cas, je ne peux pas 1000 dollars. Je peux mettre ça si j'ai de l'argent, je peux mettre dans le confort de ma maison parce que ici, quand tu vends une maison, ça prend de la valeur en fonction de tout ce qu'il y a dans la maison. Donc, je peux investir dans des choses comme ça. Mais... on dit chaussures coûtent 3000 euros ou bien chaussures coûtent 2000 dollars. Une paire de chaussures, 2000 dollars, j'allais payer ça. Je ne suis pas folle. Ah. Il y a ça qui est là. Non, vous êtes au pays là-bas là. Mais ce n'est pas seul, j'achète rien. Ah, j'ai cru que c'était moi seul. Tous mes vêtements, vous me voyez, tout est en solde. C'est que si j'aime aller acheter les bonnes choses, ça c'est clair. Donc j'attends toujours. Vous voyez, je n'aime pas aussi les jours. Oh. On dit moins cher coûte cher vers la fin là. Tu t'en aussi dans moins cher là. Vers la fin là, ça va te revenir cher. Parce que c'est beaucoup, mais c'est pas, ça n'a pas de valeur. Voilà. Ah, au pays, ou ici là. Ah, mais d'autres font ça. Les Louboutins et autres là. Tout et tout là. C'est ça. Ah, moi je peux pas. Oh. En tout cas, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Oui, t'es vente. André, toi, se fatigue pas. On apprend à nager à tout âge. On peut apprendre à nager, mais pour l'instant, là, c'est pas la plus grosse.
Ah, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des femmes qui ont dit mon sac à main Hermès coûte 10 000 euros. J'ai déjà vu. C'est faux, c'est vrai. J'ai entendu ça dans la bouche des femmes. Sandy, Johan, vous venez me visiter le Canada, c'est pas compliqué. Maman, ça là, je suis pas prête pour ça. C'est 2000 dollars, c'est combien? Ça là, 2000 dollars là, ça peut faire combien comme ça? À peu près 1 million. Votre personne te regarde. Ah! Bon, la chaussure en bas est rouge là. Si tu n'as pas soulevé le pied, quoi, enfin. Pourquoi on va voir qu'en bas est rouge? Pour savoir que c'est la marque. Tu as porté toi cet argent et puis tu te débats maintenant pour chercher une position où on va voir ça. Tout ça là, c'est fatigue zéro. Voilà. Pourquoi on voit qu'en bas est rouge pour dire que c'est la marque? Tu as cherché la position hein, où on peut bien voir ça. Tout ça, c'est fatigue. Voilà. Et tout ça, moi, c'est pas ça m'était. Ah, je t'ai dit. C'est 30 degrés. C'est combien? 30 degrés. Là, c'est 30 degrés. 30 degrés? Mmh. Ah, c'est bon. C'est quoi, le thermomètre là, dans l'eau toujours? Oui, il faudrait bien. Ah, ok. Bon, c'est ça qui est la vanité. Sinon, on peut se faire plaisir. Ah, ma chère, les enfants là, eux, ils sont là pour se moquer. C'est Wendy qui sait nager. Nous, on se débrouille. Voilà. Ça a chuté. Ah oui, non, c'est ça. L'un canadien là, c'est pas lourd. C'est ça la monnaie canadienne. Comme Emma, le photo, derrière n'est pas soudé. Ah, c'est ça, oh, ma chère. Derrière n'est pas soudé. Puis tu vas aller. Ici là, on peut acheter un vernis rouge pour peindre la semelle. Ah, qu'est-ce que tu veux? Aligner les loup-boutins. Pardon. Et puis avant, j'ai tellement porté les hauts talons que maintenant là, ça a joué sur mes mollets. Donc, on peut s'en passer. Il y a d'autres bonnes choses aussi. Mais il y a des choses où je ne mets pas l'argent dedans. Voilà. On est là pour réaliser pour demain. 1,19 équivaut à 1 dollar. Ah, tu vois, non, 419. Waouh. C'est ça. Ici, là, tout ce que tu fais, c'est pour ça que les gens ici, ils vivent bien parce qu'ils sont structurés. Aïe. Combien de piscines de maison là-bas? Ben, les piscines, ça dépend. Les piscines, ça dépend de. Ça dépend des dimensions. Ça dépend des dimensions, mais c'est pas cher. C'est pas si cher. Ça dépend des dimensions. Ça dépend des dimensions, ça dépend des qualités. Ça dépend aussi de. Ouais, ici, ça, on appelle ça des piscines hors terre. Voilà. Ça, c'est hors terre. Beaucoup de personnes ont ça. En plus, ça. Ouais. Mais je viens de la Côte d'Ivoire. Ah, Kadi, c'est 500 dollars. Justement, vous m'avez rappelé. Le père du bébé a reçu l'argent. Ouais, il a reçu l'argent hier. C'est combien? Non, 572. Mais quand c'est comme ça au pays, il reçoit combien? 70? Non. Non, 572. Il n'y a pas 72 au pays? Bon. Ok, c'est ça. Il a reçu, merci beaucoup. Le père du bébé a reçu. On est en train de préparer une petite vidéo pour vous dire merci encore. Lui-même, il va parler dans sa bouche. Il a reçu. Voilà. Voilà, il a reçu ça, 572 dollars qui faisait 1400 dollars. Les 1400, il y a un autre frère qui a envoyé 50 dollars. Donc, c'est ça que j'ai pris pour compléter, pour payer les frais d'envoi. Donc, il a reçu 572 dollars. Hein, 572 000 francs, c'est pas. Voilà. Hein, Carole Kofi. Comment faire pour venir là? C'est ça que j'explique dans les vidéos là. Ouais. Je viens de quelle ville? Bon, toi, tu ne me suis pas. C'est la première fois que tu me découvres. Je viens de ma ville, là, il y a déjà dit ça dans mes vidéos. Je viens de Daloa. Hé, hey, Angela Koufor, ma personne. Il fait combien de degrés? Il fait 30 degrés, non? Il fait 32, mais ce n'est pas trop chaud.
comme d'habitude là. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est là. Vraiment. Hein. Elle a chez bon. Oh. Combien de degrés il fait? Allez, attends, je suis au Burkina Faso. C'est du jamais vu. J'ai cherché, j'ai trouvé. Mes frères et sœurs, arrêtez de gaspiller notre argent pour les profiteurs. Ah, moi, il y a des. Y a, bon, je sais pas. Les marabouts. Même les hommes de Dieu. Je ne peux pas aller donner mon argent. Je n'ai jamais donné mon argent à un marabout ni à un homme de Dieu. Jamais. Quand je dis homme de Dieu, c'est valable pour le frère, la soeur pasteur, la mère pasteur qui prie ici à gauche, à droite, tout le monde. J'ai dit, il y a d'autres qui sont en Occident, les pasteurs bouffent leur argent. Ça, je n'ai pas compris. Le pasteur est un immigrant. Il est venu se chercher, comme toi et moi. D'autres n'ont pas encore compris. On mange votre argent dans ça. Merci beaucoup. Ma fille, comment tu vas, Fifi? Elle est là. Hein, je l'ai vu, elle a mis les queues. C'est ma peau. Ah. Hein, c'est... Adia, comment tu vas? Non. Mon mari, bon, c'est un homme, s'il sent ses intérêts menacés, il va être jaloux, ça c'est clair. Mais les jalousies bêtes là. Parce que c'est dans les foyers instables aussi, il y a jalousie bête façon là. Il n'y a pas à faire et puis il y a jalousie. Et donc pour ça, il n'est pas jaloux. Ah, maman, faut passer, ils sont nombreux. Papa pasteur, maman pasteur. Tout cela, je ne gagne pas mon argent là-bas. Hein? Les jeunes continuent. Tu as abandonné la mer. Je te suis. Ah, à partir d'aujourd'hui. Oh là là, merci. Pardon. Pourquoi je vais lui donner? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis je vais lui donner, maman. Adeline Maï. Il a fait quoi? Et puis je vais lui donner. S'il est dans le besoin, oui, mais non, je vais prier pour toi. Donne-moi l'argent. Je n'ai pas besoin. Aïe. Je ne donne pas mon argent à un pasteur. Je n'ai jamais donné un sien franc à un pasteur, même quand je souffrais à Abidjan. Quand je souffrais à Abidjan, je n'ai jamais donné un sien franc à un pasteur. C'est pas aujourd'hui qu'il va lui donner l'argent. Aïe, moi, mes parents sont là-haut. Ceux qui m'ont accouché, qui ont me donné la bénédiction, ils sont là. Et puis moi, j'allais distribuer mon argent à un pasteur. Non. I'm sorry. Donnez aux parents. Ça, là, même, il y a bénédiction dedans. Occupons-nous de nos parents vivants. Il y a déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Ouais, le Canada, c'est fédéral. Chaque province a son salaire minimum, c'est bien dit. Aïe! Maman! Non, oublie ça. Ouais. Ici, par exemple, on est payé à combien? On est resté à 12. 15. C'est pas 15 ici? C'est 15 dollars de l'heure. Au Québec. C'est rendu à 15 dollars? C'est rendu 15 dollars de l'heure. Ah, voyez-vous, hein, c'est que je ne suis pas informé. Oh. On dit que c'est rendu à 15 dollars de l'heure ici. C'est 15 dollars de l'heure. Ok, tu ne m'as pas abandonné. Ok. Je fais la bengisse. Elle est là. Aïe où? Acheter l'huile d'information pour mettre à l'intérieur. Non, là, il est là. Hey, mon cher, le roi qui est là, il a accroché à sa chose. Tu vis plus simplement possible. Aime bien, merci. On est juste, ça fait 11 ans. Et au Canada, ça fait 11 ans. Tu donnes aux petits pompiers, n'est-ce pas? Petit pompier. Mon mari, même et moi, on a même âge. Donc, je vais faire quoi, petit pompier? J'ai dit, si l'argent est trop donné dans la famille, c'est tout. Ah, c'est ça. Chez nous, on dit 15 dollars de l'heure. Ça dépend du boulot, hein. C'est ça. Donna dit ça. Ah, bon. Ok, 13, 10, c'est ça. 15, là, ça, c'est dans l'Ontario, là-bas. 13, 10. Ah, mais moi, je vais aller donner mon petit pompier. J'ai dit que...
parce que... C'est bon, hein? Ouais. Ça te soutient. Ouais, ça te soutient. Ça fait que je... Ah, Bibata Traoré, elle dit tu vas me tuer. C'est la vérité, je ne donne pas mon argent. Je dis non. Je peux pas donner, je suis prêt pour donner œuvre humanitaire. Des personnes qui souffrent. Quand je peux, je donne. Mais, pasteur. Onction de quoi, tout ça. Marabout même encore oublie ça. Je ne crois pas à ces choses-là. Non. Quand j'étais. Petite, j'ai regardé un film de Léonard Grogué. Il y avait un gars qui aimait jouer le rôle de mort. Comment Whiska ou bien Whiska? C'est Bagnon. Non, c'est pas Bagnon. Je connais Bagnon. Bagnon, il est décédé récemment. Un monsieur qui a joué le rôle du marabout dans le film de. C'est Whiska, je me rappelle très bien. Voilà, Diamant Warika dit Kobako. Ça veut dire l'un des diamants et tout, mais il a fait derrière. Il a joué le rôle et puis il a dit. Une dame est venue, il a escroqué tout et tout. Quand elle est partie, il a dit, moi j'ai l'argent, je suis marabout, j'ai l'argent. C'est-à-dire, j'ai le moyen d'arranger et puis je n'ai pas rien ma famille. Donc j'ai compris qu'il y avait de l'arnaque derrière. Donc j'ai grandi avec cet esprit. Marabout ne mange pas mon argent. Bon, je crois qu'il est 18h, selon ce qu'on m'avait dit tantôt. Impacteuse, profite bien de la vie. Merci beaucoup, merci. Bon. C'est à quoi ça, j'aime bien. Bon, mes impactés, on a passé des bons moments ensemble. Merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie. Demain, j'ai un direct. Sur le problème, je pose la question, est-ce que tu es le problème lorsque tu donnes ton âme à un pasteur? Oh, ok, j'ai déjà répondu à la question. J'ai déjà répondu. Oh. Ah, tu as dit Jésus n'a pris d'argent pour soigner personne. Ok. Oui, les œuvres humanitaires, c'est bon, c'est bon. Les œuvres humanitaires, c'est mieux. C'est mieux. Chérie, faut pas tu as quelque chose. Hein? Ah, ok. Les œuvres humanitaires, encore, c'est bon. Ça apporte un petit réconfort comme ça. C'est bon. Ouais. Oh, listening show. C'est bon. Merci. En tout cas, demain, le direct, il y a une dame qui va intervenir dans le direct. Ah oui, vous aimez ça? Oh, c'est bon. Merci. Adeline Maï, ils sont partis. C'est bon. Ouais. C'est pour ça que j'ai jamais changé de religion, des trucs comme ça, tout ça là. Et c'est toujours la même chose là. Et. Ouais, toujours. Dans la même chose. J'ai pas changé. On m'a baptisé catholique. Je suis restée là. Je m'en vais, c'est-à-dire je fais l'effort de faire moins de mal autour de moi, c'est tout. Mon direct demain, c'est à 15h, heure de Montréal, 19h, heure d'Abidjan. Ouais, c'est là le direct. On va parler, bon, pourquoi j'insiste pour ce direct, parce que merci beaucoup pour les cœurs. Il y aura une intervenante, Raymond, qui va intervenir dans le direct. Elle va expliquer, Olga Lobo, merci beaucoup, Nya, Ayo. Comment on appelle ça, elle va intervenir dans le direct. Elle a une structure tout et tout, ONG. Elle est pour comment on dit ça, plus pour l'instruction. Elle essaie de former ces filles-là. Raissa Cupicine Glory, Sucré Soleil, 13 dollars canadiens, fait 8 et quelques euros. C'est ça. Un euro même est plus élevé que pour nous ici. Oh. C'est ça. Mais comme je dis, ouais. Ici, la façon dont notre monnaie n'est pas forte, mais quand même, ça donne une bonne vie en général. Ça donne une belle qualité de vie. Voilà. J'ai vu qu'en France, pour faire le permis, c'est quand même coûteux. On parle de 1000 euros, quasiment 1000 et quelques euros pour faire le permis. Ah, il dit une baleine dans une piscine. C'est du jamais vu. Où est la baleine? Ah, elle est tombée? Ok. Ouais.
Oui, c'est pas beaucoup. C'est comme je dis, c'est pas beaucoup, mais ça permet de bien vivre quand même. Mm-hmm. Si tu n'es pas endetté, tu vis bien. C'est ça. Aïe, c'est le roi qui est derrière là. Tu viens d'arriver, Diko Karamokoli. Tu viens d'arriver, c'est le roi qui est là. Oui, le dollar américain est plus élevé. Mais un moment là, Kadi, tu te rappelles, à un moment, le dollar américain et puis le dollar canadien étaient coude à coude. Là même, c'était bon. Je vais venir en vacances. Qu'est-ce que tu peux me recevoir? Youyou. Youyou, youyou. Qu'est-ce que tu peux me recevoir? On ne peut pas recevoir tout le monde quand même, en qualité de vie. Ouais, oui, c'est sûr. Oui. En France, la monnaie est élevée, tout et tout, mais quand... Ça dit que le train de vie que des gens ordinaires comme nous ont, chez vous, c'est des gens qui ont l'argent, qui ont cette vie-là. Voilà. Voilà. La qualité de... Ça dit la vie que nous, on a. Nous qui sommes des gens ordinaires. Pour que vous, vous viviez comme nous, on vit. Dans les maisons où on vit, dans le confort qu'on a, il faut que là-bas, tu sois bien. Très bien, je dirais. Là, c'est flou. Ah oui, c'est flou? Comment ça, c'est flou? Pourtant, moi, je suis clair, je vois bien. Non. Non, non, on n'héberge même pas. On n'héberge pas. On peut aider. On peut aider. On aide tout et tout. Oui. Tout ça, moi, je suis pas... Audrey, je suis passé par là. Hein. Tout est réglé maintenant. Voilà. Ouais. Mm-hmm, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Sinon. Voilà. Mm-hmm. Bon. WhatsApp disponible pour vous. C'est qui est là? Comment WhatsApp disponible pour traitement de VIH? Oh! C'est qui lui? Prostate cancer. Si Dieu donne. Je ne sais pas qui est. Ah, ok, c'est les gens qui viennent sur les directs pour faire leur publicité. Ok, d'accord, c'est pas grave. Moi. Bon, en tout cas, meilleur, ça dépend de ce que. Meilleur, en tout cas, on ne se plaint pas. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser. Il commence à... Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci à tous. Je peux venir me laver. Aïe! C'est une piscine qui peut prendre... combien de personnes? 10, il a dit 10, non? 12 personnes. Ouais, c'est une piscine qui peut prendre 12 personnes. Ok, you. Ok, tu veux me parler en privé? J'ai laissé mon numéro WhatsApp. Ok. Voilà. Ok, bye bye. Merci beaucoup d'avoir passé du temps. Salut ma fille. On salue tout le monde. Portez-vous bien. Au revoir.